Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette seconde session de nos entretiens de la revue Poésie. Vous étiez là il y a un mois pour que nous vous présentions les numéros consacrés à la traduction, le 174, 175, 176. Et aujourd'hui, on a une joie, une véritable opportunité, une aubaine, c'est d'accueillir des amis new-yorkais qui dirigent une maison d'édition à laquelle est associée une revue tout à fait extraordinaire, Hyperion, et la maison d'édition elle-même est une maison au moins aussi délirante que Poésie, presque aussi délirante que Poésie, et qui multiplie des exploits éditoriaux dont on va essayer de vous montrer la palette aujourd'hui. Et donc, je vais laisser Marie présenter nos invités. Nous sommes très heureux, nous vous transmettons les amitiés et les salutations de Michel Deguy, qui aujourd'hui encore ne peut pas être là, mais qui est avec nous en pensée. Claude, avant que Marie ne prenne la parole, tu veux dire un mot? Ce que tu dis est très juste, c'est une entreprise merveilleuse. On est associé là aujourd'hui, j'espère à plus long terme, avec des gens qui ont un courage magnifique. Donc je présente Oui. tout le monde, d'accord? Donc Kari Hukila, qui vient de Finlande et qui est auteur, et va nous parler à la fois de son œuvre et de Hyperion un petit peu. Claude Mouchard, tout le monde connaît. Moi, c'est Mary. Rainer Hunt. Mary, oui, ben Ah oui. oui, j'ai traduit Claude Ah Mouchard, non. je vais parler de ça. Je suis professeure de français. Poète. En fait, j'étais professeure de français parce que j'ai pris ma retraite. Rainer Hantcha, qui est le fondateur de Contramundum et cofondateur de Hyperion et écrivain. Rainer, est-ce que tu peux présenter Pierre et Carole parce que tu feras mieux que moi. D'accord. Now, just to say one brief thing in English, now I know why famous people wear sunglasses on stage. I forgot mine, I broke them before arriving here. So, one of our original ideas, because the press is multilingual and we've published translations from over 10 different languages. Oui, donc Rainer regrette de ne pas avoir pris ses lunettes de soleil. Et il dit qu'il a eu tort de les casser en venant. Et là, il va dire un mot à la fois sur Pierre et sur Carole. Et il précise que l'entreprise éditoriale de Contramundum publie actuellement une dizaine de langues. An idea of ours was to have this event be in multiple languages, to represent truly the Tower of Babel. Son idée, c'était de présenter cet événement en plusieurs langues, de telle sorte que la dimension babélienne qu'il y a dans le projet de la maison d'édition soit incarnée. C'est pour ça qu'on a la Finlande et la langue anglaise, et puis aussi évidemment avec Pierre. But all the different translators that we had found to help us with this were abducted. Mais le nombre de traducteurs qui à disposition s'est réduit. En effet, il s'est réduit considérablement, on peut dire. So, now let me introduce Pierre Sange and Carole Veers Andronico. Pierre Sange, as many of you may already know, is a French novelist, writer of many other texts for radio and so forth. We published his book, The Major Refutation, and are releasing in 2 months his book, Ahab, sequels. So we have for you tonight a whale and the Madonna. Alors donc, Rainer voulait présenter Pierre Sange et Carole. C'est le deuxième livre de Pierre qui est traduit chez Contramundum, le livre qui avait été publié chez Vertical il y a quoi, 3 ans maintenant, 4 ans, 5 ans. 5 ans, hein. Et donc, ouais, déjà, ouais, un livre absolument merveilleux, un univers. Et donc, on a à la fois le Capitaine Ahab et la Madonna. Voilà. Carol Veers Andronico translated for us the first book of Carmela Bene, the first book that we published of Carmela Bene's. I appeared to the Madonna, and we will soon release the next book that she translated for us, Our Lady of the Turks. Donc, Carol a traduit le premier texte de Carmelo Bene qui a été publié pardon, chez Contramundum. Je suis apparu à la Madone, hein, qui est Carmelo Bene est un auteur qui nous est cher aussi à la revue.
Et vous allez traduire en plus à nouveau. Vous venez de traduire un nouveau oui, texte pour elle. Exactement. Voilà. Donc vous allez voir, hein, c'est une séance qui est tout à fait conforme à l'aspect babélique de la revue aussi. Nous sommes des babéliens heureux. Marie, c'est à toi. D'accord. Merci beaucoup, Martin. Merci à tous d'être là. C'est un plaisir pour moi d'ouvrir cette rencontre qui fête les 10 ans de Contra Mundum en vous parlant de l'œuvre éditoriale et traductrice et de l'écriture de son fondateur, Rainer Hantcha. Beware the book. Attention au livre. Voici un avertissement tourné en question que martèle plus de 35 fois, Shattering the Muses, fracassant les muses, livre hybride formidable que Rainer Hantcha a écrit avec l'accompagnement de l'artiste Federico Gori. Voici quelques exemples des œuvres de Gori, celle intitulée Gutenberg sur la couverture, qui est là, évoquant l'imprimerie en feu, puis deux des muses, Clio et Euterpe, qui sont aussi comme oblitérées, incinérées. Et Hantcha nous montre à travers son texte tout un univers de livres sortant et renaissant de ses cendres, en évoquant ou citant maint écrivain, Blaise Cendrars bien sûr, mais aussi entre autres Mayakovsky, Beckett, Genet, Kafka, Mandelstam, Radnoti, Celan, Luca, Artaud, Villa, Benjamin, Adorno, Rimbaud, Nerval, Hölderlin, Milton, Horace, Ovid, Platon, Hegel et Nietzsche, et des artistes tels que Otto Dix, Giacometti, Pasolini et Bene. Beware the book. Ce refrain interrogeant le danger inhérent au livre frappe toujours après des témoignages sur la destruction délibérée des livres, libricide ou bibliocide, qui précède souvent la destruction en masse des hommes. Que les massacres des livres et des hommes constituent un crime commis par toute culture est souligné de plusieurs manières par Hantcha, parfois synchroniquement, comme ici, où l'on voit un texte de l'empereur Qin en 232 avant Jésus-Christ, décrétant la destruction par le feu des livres et des savants, juxtaposé à une gravure du 15e siècle qui représente des docteurs juifs brûlés comme boucs émissaires durant la Grande Peste. Hantcha marie souvent des airs et des cultures différentes dans ses écrits. Dans son roman « The Abdication » de 2012, Triboulet, héros rabelaisien de cette comédie épique futuriste, conduit des rites antiques, dionysiaques, pour faire rire les enfants en 2032, souffrant de tout ce qui nous accable aujourd'hui. Mais ce goût pour le synchronique n'empêche pas Hantcha d'avancer des arguments historiques aussi. Et dans Shattering the Muses, il nous montre, d'une manière historique ou chronologique, que la destruction des livres mène à des massacres et aux vengeances à suivre partout et au cours des siècles, jusqu'au libricide et au génocide de la Shoah, séquence qui persiste. Le dernier exemple qu'il cite étant l'incendie de la grande bibliothèque de Mossoul par Daesh en 2014. Attention aux livres. Quelle réponse offre Hantcha à cet appel ou mise en garde qui parcourt son propre livre? Des réponses qui bifurquent, élaborant d'un côté l'éloge de la force transformatrice de certains livres qui s'opposent aux normes, et de l'autre, nous rappelant constamment de nous méfier surtout, et plutôt que du livre, des personnes qui veulent détruire sa force particulière, de ceux qui veulent nuire à ce qui permet dans et par le livre la rencontre intime d'une pensée librement inscrite avec l'esprit libre d'un lecteur. Attention, nous avertit Hantcha, à tous ceux qui veulent détruire le livre, cet instrument spirituel, cet espace solitaire où gît l'esprit satisfait,
que Mallarmé a évoqué avec tant de précision et beauté. De qui donc devons-nous nous méfier? De toute figure autoritaire, bien sûr. Les attaques contre le livre de Hitler, Mussolini, Mao, Khomeini, Pinochet ou des talibans figurent dans ce texte. Mais plus généralement, Hunch nous met en garde contre le monde, ou toute collectivité qui travaille à imposer ou maintenir ses normes et intérêts établis à l'encontre d'autrui. Les acolytes, les califes, les philistins, les purificateurs, les réformateurs, les moralistes, les maraudeurs, les soldats solennels, les constructeurs des baraques, les pieux, les juntas, les fascistes et les néo-fascistes. C'est contre ce monde-ci, et pour essayer de préserver la puissance transformatrice du livre, que Contramundum, la maison d'édition si bien nommée de Rainer Hantcha, s'est consacrée avec tant d'énergie à la mission qu'elle s'est donnée il y a 10 ans. Je traduis. Dédiée à la valeur et à l'importance indispensable de la voix individuelle, aux œuvres qui interrogent et qui mettent à l'épreuve les limites de la pensée et de l'expérience humaine. Et elle a créé un catalogue de livres exceptionnels de toutes sortes, des livres qui n'ont pas peur de laisser agir en eux des forces subversives et contradictoires, et qui sont étonnamment distincts les uns des autres. Or, on retrouve facilement la voix ardente de Hantcha et le fil qu'elle forge et tient, paradoxal, parce qu'à la fois agonistique et éclectique, dans One Thread. Un poème semé à travers Shattering the Muses, dont je traduirai quelques vers juxtaposés ici à une citation des Actes des Apôtres. Il brise et relie à la fois les récits fragmentaires qui précèdent et suivent. Un fil, sans cesse, combat l'autre. Telle est la dialectique exigeante. La puissance supérieure de l'un doit se fracasser contre l'autre. Destruction, effondrement, désastre. Ce ne sont pas des forces finales, mais des forces fondamentales, des forces gouvernantes. Et chacune existe à l'intérieur de l'autre. J'ai parlé de récits fragmentaires, mais il y a aussi un arc narratif dans Shattering the Muses que je décrirai à la fois comme un roman explosé et un exposé critique historique, car avec toutes ses richesses documentaires, ce texte raconte bien une fiction cohérente aussi, l'histoire troublée d'un écrivain passionné de livres qui se suicide à la fin, n'arrivant plus ni à conserver ni à écrire les livres qu'il désire, et cela en partie à cause de la perte et destruction des livres qu'il constate autour de lui. Perte qui accompagne très souvent le meurtre ou l'autodestruction d'autres écrivains qu'il aime. Il n'y a point de happy ending à cette histoire, mais Shattering the Muses, avec son écriture aussi effrontée que soigneusement composée et ses images fulgurantes, offre une réponse à la hauteur du problème qu'il soulève, en incitant et incorporant en lui la pulvérisation de ses muses pour créer un genre hybride, fracassé en un livre nouveau. Maintenant, quelques remarques plus personnelles. Le premier livre de Contramundum que j'ai lu était cette édition bilingue de La Proie sombre, Self-Shadowing Prey de Gerasim Luca, œuvre tardive du poète surréaliste roumain qui a vécu sans papier à Paris pendant 40 ans, puis après avoir été expulsé de sa maison, s'est noyé dans la Seine. J'ai adoré ce livre avec la poésie exquise de Luca, les traductions fines de Mary Ann Cause et la beauté de la mise en page, dont je vous présente ici juste un aperçu. Voici le texte en anglais de 2 pages.
puis en français. C'est pourquoi, en 2015, j'ai proposé à Contra Mundum un livre bilingue où j'envisageais d'éditer et de traduire les poèmes de Claude Mouchard, ce qui devint Entangled Papers Notes. Et pour ces textes poétiques, qui sont absolument sui generis et étaient auparavant totalement inconnus du monde anglophone, j'ai reçu un accueil immédiat. Au lieu d'hésiter, Rainer Hanscher s'est enthousiasmé pour publier une œuvre qui, par son style comme par sa pensée, résiste à toute niche éditoriale et dont la complexité typographique allait lui demander, ainsi qu'à son merveilleux designer et typographe Alessandro Segalini, beaucoup de travail. Voici comme exemple juste deux pages de ce livre que nous avons présenté ici même avec Michel Deguy il y a bientôt 5 ans. Donc voici le texte en anglais, je pense, et le texte en français. Oh, pardon, je fais le texte en anglais, le texte en français. Contra Mundum fait toujours de beaux livres facilement reconnaissables, mais cela ne l'empêche pas de recevoir et présenter chacun de ses auteurs ou traducteurs d'une manière distincte, les invitant à s'exprimer pleinement non seulement dans leurs textes, mais aussi dans la réalisation matérielle des livres. Contra Mundum publie surtout des traductions d'œuvres expérimentales et modernistes, qui insère dans le monde anglophone des voix singulières. Et sa prédilection pour la modernité rejette des limites temporelles fixes. Il s'agit plutôt d'une préférence pour ce qui change, pour un principe protéen, avancé aussi par Baudelaire dans Le peintre de la vie moderne. Ainsi, on y trouve, aux côtés de maints textes des deux derniers siècles, quelques œuvres plus anciennes, comme Gilgamesh, ou Le Narcisse de Rousseau, ou Aline et Valcourt de Sade. De même, Contra Mundum ne se limite pas à la publication de traductions, proposant aussi des œuvres exceptionnelles écrites en anglais, telles les Fragments de Wordsworth, que Hanscher a édité en 2013, ou Night Train to Sugar Hill, le dernier roman du célèbre macro-américain Iceberg Slim, publié en 2020. Et il publie des livres multilingues, telles l'œuvre hétéroglossique extraordinaire d'Emilio Villa, dont Claude parlera tout à l'heure. Et cette hétérogénéité ou cette hétéroglossie spectaculaire sont aussi caractéristiques de la revue Hyperion, où l'on trouve des textes et des traductions de toutes sortes et tous genres, souvent de la main de Hanscher. Hyperion offre parfois des numéros entièrement consacrés à un seul auteur, tels les numéros sur Mallarmé, édités par Kari Hukila. Mais d'autres fois présente des textes d'une variété incroyable, tels le numéro de 2020, où Hanscher conduit avec Carol Vier Andronico un entretien en italien et en anglais de Luisa Viglietti sur Carmelo Bene, mais aussi traduit L'épicier de Balzac, ou le numéro le plus récent, où il traduit 3 discours polémiques prononcés à Mexico par Artaud et un essai critique de Jean-Nicolas Illouz. Avec ce goût pour l'éclectique et le peu connu ou méconnu, on pourrait s'étonner que la dernière entreprise de Hanscher soit la traduction d'une trilogie d'œuvres de Baudelaire, le poète français sans doute le plus connu et le plus traduit en anglais. Mais on s'étonne moins quand on comprend que là aussi, Hanscher s'y est pris à rebours. Car il a commencé avec le texte le moins traduit et le plus rejeté de Baudelaire, le jamais fini « Pauvre Belgique » ou « La Belgique déshabillée »,
titre que Hanche a adopté et traduit en Belgium Stripped Bare. Pour forger un lien avec mon cœur mis à nu, le texte qu'il traduira ensuite, et peut-être aussi par allusion au grand vers fracassé de Marcel Duchamp. Dans sa longue introduction à Belgium Stripped Bare, Reiner s'oppose à toute lecture ou perspective critique qui réduit ce texte à l'expression d'une haine singulière que Baudelaire aurait ressentie pour ce pays. Il propose au contraire qu'on lise le livre comme une satire allégorique qui vise la France et l'Amérique autant que la Belgique. Et j'ai été convaincue par cette idée, non seulement parce que Hanche prend la peine de remettre soigneusement le texte dans son contexte historique et biographique, mais aussi parce que ses recherches suggèrent en effet que Baudelaire, déjà plus de 20 ans avant Jarry, s'est permis d'attaquer au pays méprisé par beaucoup, pour tendre un miroir moins aux méprisés qu'aux méprisants. Et c'est peut-être aussi bête de prendre à la lettre sa critique outrée des Belges que de croire que le Père Ubu ait usurpé et manié le sceptre du vrai roi de Pologne. Bâton de merde que, j'ajouterai, Jarry a peut-être trouvé chez Baudelaire, puisque ce dernier utilise ce même bâton pour représenter la Belgique dans un des poèmes d'Amenitatis Belgicae. En somme, Hanche suggère, pour poursuivre ma comparaison, et en citant Jarry, que la Belgique déshabillée représente pour Baudelaire tout le grotesque qui est au monde et ressemble à nous tous, par en bas. De façon semblable, l'introduction de Hanche à My Heart Laid Bare nous rappelle d'abord que Baudelaire a pris son titre et l'idée de son livre à Poe et nous met en garde contre ceux qui lisent ses attaques brutales contre la femme comme signe d'une misogynie simple. Hanche suggère au contraire que Baudelaire avait un plus grand respect de la liberté, de la puissance et de l'autonomie des femmes que la plupart de ses contemporains. Enfin, Paris Spleen, dernier projet de traduction de Hanche qu'il s'est donné pendant la pandémie, est le plus ambitieux et il me semble très bien réalisé. Fidèle aux mots précis de Baudelaire, moins enclin que d'autres à domestiquer sa voix. Et enfin, en présentant son travail dans une postface d'une façon simultanément humble et hardie, Hanche se montre encore fidèle à Baudelaire en ce qu'il se découvre habité par Baudelaire, comme avant lui, Baudelaire s'est senti l'être par Poe. Je crois que cet acte d'hospitalité sera contagieuse, car il promet de renouveler la lecture de Baudelaire dans le monde anglophone, et comme Hanche cherche toujours à le faire, en préservant une voix singulière dans et par l'espace du livre. Merci. Non, non, il faut juste que tu le tires vers toi comme ça, ou tu te rapproches. Et je vais. Je peux faire ça ? Ouais. Je pense, ouais. Ça marche. Bon, c'est. Merci, bonjour. Mary, merci beaucoup. Tu as apporté beaucoup de précisions, de données très nécessaires. Je suis un peu dans le désordre, je n'ai que des notes tout à fait désordonnées. Et je vais essayer d'être bref, puisque nous n'avons pas beaucoup de temps. Oui, je ne ferai que marteler une évidence. Le travail d'éditeur et d'écrivain absolument indissociablement de Reiner Hanche est tout à fait extraordinaire. Et il ne ressemble à rien de ce que je connais. C'est une implication dans l'existence de chacun des livres qu'il publie que je trouve admirable. Puisque Mary a mentionné le livre que Reiner a bien voulu publier, le livre que j'avais écrit en français et que Mary a traduit magnifiquement et que Reiner a publié, je voudrais simplement mentionner un détail de la
confection de ce livre parce que ça m'a vraiment beaucoup touché. Je ne connaissais pas Rainer Hanschke du tout, c'est Méré qui s'occupait de toute l'affaire. Et dans ce bouquin, traduit par Méré, il y a une section qui est consacrée à des notes prises de la relation que ma famille avait aussi, avec un réfugié soudanais que nous avons hébergé pendant 5 ans. Et il se trouve que ce soudanais, tout d'un coup, est mort d'un infarctus devant moi. Il s'est abattu sur le sol, mais c'était un moment épouvantable. Et juste après sa mort, avant que j'aille faire un voyage au Soudan pour voir sa famille, j'ai cherché dans son sac à dos, le sac à dos de ce Soudanais, et je suis tombé sur un papier qui m'a bouleversé. C'était un plan de la ville d'Orléans où il y avait 3 taches de couleur. Une tache, c'était un centre social où ce réfugié se rendait pour des démarches officielles. Il y avait une tache sur la poste centrale, là où toutes sortes d'Africains, je veux dire toutes sortes au sens de toutes sortes de provenances, d'Africains se rencontrent, se croisent, etc. Et puis une tache, c'était notre maison, bon, qui était devenue sa maison. J'ai été bouleversé par ça. Le livre était déjà quasiment fait. J'ai téléphoné à Méré, je lui ai parlé de ça. Et immédiatement, Rainer a accepté. Ça, c'est je connais pas d'éditeur qui aurait fait ça. A accepté de mettre cette page dans le livre qui était en train de se faire. Voilà. C'était pour moi magnifique, vraiment. Ça, c'est l'entrelacement du travail d'éditeur et de l'existence au jour le jour. Voilà. Je voulais lui rendre cet hommage-là. L'édition, les éditions de Rainer sont présentes dans l'entrée. Inutile de dire à quel point chaque fois qu'il réalise un livre, c'est un événement, c'est quelque chose d'absolument spécifique. Méré a mentionné Emilio Villa qui est ici. Avant cette publication, je ne connaissais d'Emilio Villa qu'un livre en français, À la part de l'œil, beaucoup plus court, et qui s'arrêtait assez tôt, finalement, dans la carrière de Villa. Ce livre-là, À la part de l'œil, c'était quelque chose, hein, ça m'a beaucoup frappé, mais ce livre-là est une merveille. Et dans chaque livre que réalise Rainer, il y a évidemment la question de l'existence même du livre en général dans ce monde. Et ce que tu as mentionné le fait évidemment, le rend évidemment sensible à tout moment. Donc il y a un enjeu, le livre est menacé. Et quand j'improvise, pardonnez-moi, mais quand Rainer, dans son livre, dans son propre livre, met des reproduit des injonctions à brûler les livres, tu en as parlé, c'est l'enjeu central. Les livres sont une chose absolument proliférante et une chose absolument menacée. Bon. Et ça, c'est incroyablement vivant dans tout ce que publie Rainer. La passion des livres comme telle, encore une fois, totalement renouvelée par lui, par son travail, elle se retrouve chez les auteurs qu'il publie. Puisque Pierre Singe est là, j'ai envie de lire une page de lui. Non, je peux. C'est pas une page publiée par Rainer. C'est une page de lui dans un bouquin sur Flaubert, l'Empire de la bêtise. C'est sur Bouvard et Pécuchet. Vous avez participé à un recueil. Ah ben j'espère, moi que je me trompe, j'ai fait une gaffe épouvantable, c'est pas vous. Non, parce qu'on ne se connaissait pas jusqu'ici, donc. Je peux lire un passage? Oui. Dévoration, ça s'appelle, on est d'accord? Oui. Le renoncement, on en parlera dans un instant, il est dépendant de l'appétit quant à la soif d'entreprendre. Elle est pour Flaubert, pardon, j'ai mal lu. Le renoncement, on en parlera dans un instant, il est dépendant de l'appétit. Quant à la soif d'entreprendre, elle est pour Flaubert, dans ses périodes d'enthousiasme, c'est pour ça que je pensais à l'enthousiasme aussi de Rainer et au vôtre.
Quant à la soif d'entreprendre, elle est pour Flaubert, dans ses périodes d'enthousiasme, un appétit de maître gaster, gaster l'estomac, hein, un appétit de dévorant et de dévorateur, qui voudrait d'ores et déjà embrasser le paysage, n'importe lequel, et cherche le moyen de s'ouvrir à 180, puis 360 degrés. Elle est l'hospitalité offerte à 1500 livres parmi les moins lisibles. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui correspond là. Elle est, pour Bouvard et Pécuchet, à l'origine d'une fuite loin de la capitale et du projet d'accumuler dans une maison l'ensemble des savoirs humains. Et, pour reprendre une formule utilisée par un autre écrivain de la démesure, de l'appétit et de l'hospitalité, un autre ogre érémitique et mondain de la littérature, l'écrivain hongrois Miklós Csenkuti. Elle est le désir de tout lire, tout voir, tout rêver, tout penser et tout avaler. La mention de Csenkuti, l'écrivain hongrois, me renvoie au fait que c'est aussi un écrivain que Rainer publie, en effet. Et l'histoire de Csenkuti, lecteur, c'est plus que lecteur, comme pour Rainer. C'est faisant des livres, c'est pour ça que je citais aussi ce passage de vous sur Bouvard et Pécuchet, ingérer Gaster, hein, matériellement avoir affaire au livre, eh bien, il y a ça aussi chez Csenkuti, je crois. Et il y a un endroit où c'est plus de livres qu'il s'agit, mais de peinture. Il y a un endroit dans un livre de Csenkuti, je ne sais plus où c'est, mais en tout cas, je m'en souviens parce que ça m'est resté, où il dit qu'il voudrait non pas parler de Rembrandt, mais écrire ma vie mariée avec Rembrandt. Voilà, il y a quelque chose de ça dans la passion qui anime tous ces travaux. J'aurais bien d'autres auteurs à mentionner ou à lire, mais si je lis simplement... Voilà. D'abord, dans le livre de Rainer, il y a, évidemment, ça a été déjà mentionné, l'exposition des livres, les menaces historiques au XXe siècle. Alors, tout d'un coup, c'est évidemment Hitler qui apparaît, c'est le nazisme. Hein, voilà, il y a une image là. Mais je devrais interroger, mais je ne vais pas le faire, ce n'est pas le moment, mais sur le rapport entre Luther, les dates qui sont mises là, et la croix gammée qui brise, en quelque sorte, l'image de Luther. Il y a toutes sortes de montages comme ça. On ne commande pas maintenant, c'est pas le lieu et le moment, mais le temps. Mais il y a toutes sortes d'images comme ça dans le livre de Rainer, qui sont des images qui travaillent, qui sont en mouvement. Là, ça bouge, en quelque sorte, ça vibre. Et c'est la vibration même de l'histoire et des livres dans l'histoire et dans l'histoire contemporaine qui nous est donné à sentir davantage, à vivre vraiment. Donc c'est vraiment un travail tout à fait exceptionnel. J'ai été passionné de retrouver dans le livre de Rainer, de retrouver Beckett. J'étais bouleversé de la manière dont Rainer a rendu Beckett présent au temps de la Deuxième Guerre mondiale et de l'occupation. C'est-à-dire le Beckett qu'on voit toujours comme complètement retiré de tout, etc. Beckett a été un homme engagé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et Rainer en rend compte de la meilleure façon qu'il soit, sans discours, sans blablabla comme celui que je suis en train de tenir, mais vraiment quelque chose de par montage, par rencontre, par choc. Car c'est aussi un homme des chocs et des montages, Rainer. Donc je trouve ce travail formidable. Et un autre auteur qui est présent dans le livre de Rainer, et de façon magnifique, ça me bouleverse complètement, quand je dis « me », c'est complètement idiot, c'est-à-dire ça bouleversera tout lecteur, c'est la présence de Nerval. Tout d'un coup, Nerval est là. Et alors, évidemment, Rainer, de façon extrêmement... ce que je vais mentionner, simpliste, mais Rainer met Nerval en mouvement dans ses propres pages, comme toujours. Tous les auteurs auxquels il a affaire sont en mouvement dans ses propres phrases, dans ses propres pages. Et Nerval, c'est évidemment pour lui le Nerval qui s'est pendu pas non loin d'ici. Et donc les lieux où nous sommes sont tout près des lieux que Rainer évoque dans son livre à propos de Nerval. Mais Nerval, c'est vraiment aussi ce fou de lecture, ce passionné de bibliothèque.
il y a ce, je ne sais pas, je crois pas que Rainer le mentionne, mais il y a ce merveilleux court texte de Nerval, une courte prose, intitulé « La bibliothèque de mon oncle ». C'est une bibliothèque de livres de cinglés. C'est-à-dire les livres qui ont été... C'est des fous qui ont écrit ça. Et ça s'appelle... C'est ce que Nodier, un peu avant Nerval, a appelé les fous littéraires, et ça devient le titre d'un merveilleux roman de Queneau. Hein. Pas le titre, le thème d'un merveilleux roman de Queneau qui s'intitule « Les enfants du limon ». Et il y a aussi un rapport à la bibliothèque folle. Vous savez, les fous littéraires, la définition, c'est des auteurs de livres qui sont à la Bibliothèque nationale, déposés à la Bibliothèque nationale, mais qu'aucun lecteur n'a jamais emprunté. Il y a ça, bon, moi j'aime profondément Queneau pour toutes sortes de raisons. C'est pas du tout, je n'identifie absolument rien, et j'espère bien que les livres de Rainer sont faits pour être lus, vendus, etc. Il faut absolument que ce soit fait. C'est une entreprise vraiment d'un caractère unique, d'une puissance, je trouve, extraordinaire. Et pour moi qui m'interroge sur la position, les tentatives pendant le XXe siècle, dans des moments de. Que Rainer rend présent, par exemple, dans cette image, de violence collective, historique, déchaînée, absolument sans limite, qu'est-ce qui arrive à des gens qui essayent d'écrire des livres? Beckett, c'est un peu ça, pour Rainer, hein, malgré tout. Parce que Beckett a risqué vraiment gros pendant l'occupation en France. Et qu'est-ce qui arrive à la possibilité, malgré tout, contre tout espoir, comme dirait l'autre, comme dirait Mandelstam, d'écrire des livres dans ces conditions, dans ces circonstances déchaînées, de les transmettre malgré tout. Je pense que Rainer, il incorpore ça aussi, cette interrogation historique à ses livres, cette interrogation historique ou politique à ses livres. Et c'est pourquoi c'est vraiment un éditeur, moi encore une fois, qui ne ressemble à aucun de ceux que je connais. Il court des risques, c'est pas facile, j'imagine. Moi, je suis pas du tout éditeur, mais pour celui qui prend la peine de lire, alors vraiment, on reçoit quelque chose et ça ne cessera pas d'être en mouvement en chacun de nous. Voilà. Est-ce que tu veux lire une page d'Emilio Villa? Tu veux que je lise une page d'Emilio Villa? Peut-être, non. Comment faire? J'avais prévu quelque chose, mais je ne sais plus où j'ai mis. Attends. Bon, je ferai ça plus tard. Hein. Ok. Je l'ai là, si tu veux. Hein? Non, mais j'ai le livre, moi, mais je... Attends, non, parce que c'est très... C'est la page 532, si je... Non, ce que j'ajouterais à propos d'Emilio Villa, mais... oui, j'avais... Mais vous voyez, tout ce que j'ai prévu, je n'en parlerai pas. Donc... Non, là, je ne peux pas. Ce que je n'ai pas dit, ce qui est présent aussi chez Rainer dans l'édition et dans son travail d'écrivain, c'est l'incroyable entreprise, la folie de Emilio Villa, et en particulier plurilinguistique. Alors, ça a à voir encore avec, là aussi, la passion de traduire, de passer à travers les langues. Donc, le fait que Villa... passe à travers les langues en les écrivant, pas en les traduisant, pas en les lisant seulement, en les écrivant, en les pratiquant, dans cet énorme et magnifique, absolument magnifique bouquin, vraiment extraordinaire, je ne connais rien de semblable. Dans ce bouquin, il y a donc des pages en français, en effet, je n'ai pas envie de lire maintenant, il y a des pages en français, et il y a des pages en anglais, bien sûr, en italien, dans diverses langues, et Villa est aussi, Martin, on en parlait à l'instant avant d'entrer ici, Villa est aussi un bibliste. Il traduit, il est un traducteur de la Bible, il pratique l'hébreu, il pratique le grec ancien, c'est une folie, véritablement, et on se demande comment chose pareille est possible. Mais c'est exactement un auteur pour Rainer Hanje. Oui, Villa, c'était un écrivain italien auquel peut-être vous avez eu accès, si vous connaissez un peu l'avant-garde du groupe 63, le groupe 63, dont en France on commence à bien connaître certains aspects, hein, notamment Balestrini, Sanguinetti. Et Villa, c'était un petit peu leur aîné. Hein, et c'est quelqu'un qui était comme une espèce d'astre secret, hein, de l'avant-garde italienne, qui a une carrière souterraine d'une certaine manière, et qui à la fois a vécu
en Émilie-Romagne, il a vécu à Modène, il était proche de Parmigiani, hein, de ce groupe-là. Et à côté de cela, en effet, enfin, à côté, avec Villa, il n'y a pas de côté, c'était plutôt entrelacé, hein, à son existence. Il y avait ce travail de bibliste, hein, il connaissait très bien les langues anciennes, le grec, hein, l'hébreu, mais aussi il lisait l'araméen. Et ce rapport, hein, de Villa à l'histoire, aux langues et à l'avant-garde fait de lui une singularité absolue. Hein. On l'avait traduit dans la revue pour le double numéro italien, hein, le 109 et le 110. On avait essayé de pousser un peu Villa comme ça, vers le public, hein, mais c'est un écrivain. Il n'y a rien d'équivalent, en tout cas en français, hein, et ça donne envie. Hein, donc c'est ça aussi, les éditeurs, ce sont des propositions, hein, de travail. Et de fait, hein, bon, ben, on connaît les risques de la publication de la poésie ou de la littérature de recherche, hein, qu'elle soit prose ou poésie, dans toutes les langues. Et évidemment, ça, le fait que ça existe, hein, donne de l'espoir. Oui, j'ajouterais, parce que peut-être que, mais c'est quelque chose que tu viens de dire m'y incite, c'est que chez Villa, à travers cette incroyable traversée de matériaux, de historico-littéraires, il y a une immédiateté. Oui. Il y a la capacité de revenir à vraiment alors c'est vrai que ça serait bien de lire un poème là, mais j'ai pas le courage, ce serait trop, je sais pas, ça me choque un peu, mais il y a une immédiateté, tout d'un coup ça frémit dans l'instant, absolument, et sans aucun sentimentalisme, c'est pas du tout, oui, de ça qu'il s'agit. C'est unique, vraiment. Bonjour. Oh, thank you. And I am now switching to a language that is neither yours nor mine. But now it's functioning. Now you can hear me. Okay. But fortunately, Martin has volunteered to render my words into French. I'll try. I am going to make a few remarks on writing and reading, based on a project of mine on ants. Ants as social insects. The original purpose was to find appropriations for my own writing work, from the work of ants, from path formation, organization of the ant colony, communication, decision making in task allocation, building activity, and so on. And this began roughly at the same time when I got into contact with Rainer, some 10, 11 years ago. And naturally, these two things, Rainer and the press and my aunt project, were two things apart. Just a coincidence in time. But I am now going to make a few remarks to the catalogue of Contramundum from this angle, from the angle of aunts. And the title for these remarks could be Insight to Work. It's a quotation from a French entomologist, Pierre-Paul Grasset, concerning the labor of termites, which is adequate on ants too. Donc la langue, hein, originale de Caril, c'est le finlandais. Il a donc écrit ce texte en anglais que je dois traduire pour vous donc en français. Donc je le cite. Je vais donc tenter de vous proposer quelques remarques sur l'écriture et la lecture, qui sont fondées sur mon projet sur les fourmis. Les fourmis comme insectes sociaux. Le propos de ce travail, le propos initial de ce travail, était d'inventer, hein, des types d'appropriation entre la figure de la fourmi comme insecte social et mon propre travail d'écriture. À partir donc du travail des fourmis, de leur manière, hein, de cheminer ensemble, de l'organisation des colonies de fourmis, de la communication, mais aussi de la manière dont elles prennent des décisions et construisent leurs pratiques. Il se trouve, précise-t-il, que ce travail a commencé à peu près au même moment, hein, où il est entré en contact avec Rainer, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années, même si ces deux choses, le travail avec Rainer et Contramundum et le projet sur les fourmis, était à l'origine de choses différentes. On le conçoit aisément, en effet.
Il s'agit donc d'une coïncidence temporelle plutôt, mais je vais essayer désormais de vous proposer quelques remarques sur le catalogue de Contramundung à partir de cet angle de travail. Et le titre des remarques que je vais vous proposer pourrait être donc Incitation au travail, incitation au travail, une citation hein, que je prends à Pierre-Paul Grasset, un entomologue français, qui porte sur le, dont le travail porte sur le, l'activité des termites. Et il me semble, dit-il, que ce, cette qualification du travail des termites convient aussi au travail des fourmis. And what did Pierre-Paul Grasset found? He showed in the end of the 50s that in the artwork there is neither whole, which explains the behavior of the parts, nor the opposite of it, that each individual in artwork would behave as if it were alone. Grasset showed that there is an indirect, indirect communication in between ants. Let's say the building work in progress, the structure, was a stimulating configuration which triggered an accelerating response and insights to work. So there is an endless amount of local decisions without any idea of the so-called whole. And so there is a transforming configuration that leads to another configuration that may trigger in turn another, possibly different one, and so on. And also the rules change according to the terrain and environment. And thus the work is neither a random assemblage nor blindly mechanistic activity. Qu'est-ce que donc Pierre-Paul Grasset a découvert? Il a montré à la fin des années 50 que dans le travail des fourmis, il n'y a ni tout, hein, ni tout comme perspective holistique, donc qui expliquerait le comportement de chacune des parties, mais pas davantage l'opposé du holisme, c'est-à-dire hein, l'idée que chaque fourmi, chaque travail individuel des fourmis hein, consisterait à travailler comme si elles étaient toutes seules. Donc c'est ni, on dirait en lexique politique, ni du holisme, ni de l'individualisme. Grasset a montré qu'il y a en réalité une communication indirecte entre les fourmis. On pourrait dire de la sorte hein, que le travail de construction qu'elles mènent est une espèce de configuration de stimulation qui engage, hein, invite une réponse en termes d'accélération hein, et qu'il ce travail incite chacun, chacune de ces fourmis hein, à travailler de sorte qu'il y a une espèce de, d'accumulation hein, de décisions locales sans qu'il y ait, sans que préside à ces décisions locales une idée hein, qui serait l'organisation du tout. Ainsi, hein, il y a une configuration qui se transforme, en transformation pourrait-on dire, hein, qui conduit chaque configuration singulière, hein, qui va ensuite entraîner une autre configuration, probablement différente de la précédente, etc. Et même les règles qui conduisent d'une configuration à l'autre changent selon le terrain et l'environnement. Ainsi, hein, on a affaire, de la même manière qu'on a affaire ni à du holisme, ni à de l'individualisme, on a affaire hein, de la même manière à quelque chose qui n'est ni un assemblage au hasard, hein, qui serait le fruit du chaos, ni à un travail qui répondrait à une logique mécanique. And I began my ant project when working with my novel 1001, which came out in Finnish in 2016. In order to cope with the interconnectedness of the reality or realities to be described, and multiplicity of my materials, as well as the ways the past is layered upon the present. And what intrigued me in the artwork is how a symphony orchestra can play symphony without scores, without a conductor, without a controlling center, matrix, model, imagination, receptor, without a small architect or construction creating a demon or some obscure instinct. Alors vous pouvez vous demander comment a commencé cet intérêt, hein, d'où est né cet intérêt pour les fourmis. En fait, j'ai commencé à travailler à ce projet sur les fourmis quand je me suis mis à mon roman, 1001, hein, un millier et un, hein, mille et un, disons, qui est sorti en 2016. Et ce qui m'intéressait à l'époque, hein, c'était de réfléchir hein, au processus d'interconnexion, c'est-à-dire la manière dont la réalité, ou plutôt les réalités peuvent être décrites comme des systèmes de connexion. Et face à ce problème, je me le posais, hein,
face à une multiplicité de matériaux, mais aussi dans une perspective temporelle, puisque je me demandais à l'époque les manières dont le passé vient se napper, vient se mêler au présent. Et ce qui m'a fasciné à l'époque, dans le travail des fourmis, c'est la manière dont un orchestre symphonique, celui des fourmis donc, est capable de jouer une symphonie sans la moindre partition, sans un chef d'orchestre, sans donc un centre de contrôle, une matrice, un modèle, une imagination, une série de scripts, et sans donc le moindre architecte qui serait à l'origine de cet ordre, ni même un démon créateur qui serait responsable de cette création, ni même d'ailleurs, pour finir, un instinct obscur qui les guiderait. And every once in a while, I try to read something according to the project. So those readings were so-called weak readings, simply to notice something that otherwise would have left unnoticed. And I will focus here only on one device, what I call a local decision, which is always also the moment of insight to work. À chaque fois, donc, par le passé, j'ai essayé de lire quelque chose qui soit en accord avec le projet. Je me suis aperçu que on pouvait considérer que c'était des lectures que j'appellerais faibles et qui servaient simplement à indiquer quelque chose qui, sans cette lecture, eût pu sembler passer inaperçu. Je vais ici me concentrer sur un moyen, un procédé, celui que j'appelle des décisions locales. Qui est toujours aussi une manière d'inciter au travail. In Pier Paolo Pasolini's late work in Petrolio, he uses the term abrulicchio, a swarming, as a structural model of his work, as well as in connection with the impossible effort of capturing the totality of reality and its multiple and contradictory features. Like Dante managed to do based on the entire system of thought of his time, like Pasolini thought. So in Petrolio, there is a refusal of the reference to reality. And the consequence, what happens in the text, often resembles the self-organizing processes in biological systems, like with ants. And in the same continuum with Petrolio, he wrote a very important small work, La Divina Mimesis, which Contramundum published in 2014. Dans le dernier livre publié par Pier Paolo Pasolini, qui est donc de 75, qui va d'ailleurs être republié pour l'anniversaire de Pasolini en mars 22. Donc ce dernier livre, il s'appelle Petrolio. Pasolini utilise le terme brulicchio, qui veut dire en fait frémissement. Et il l'utilise comme un modèle structurel de son travail qui peut consister aussi en une connexion avec l'effort impossible, selon lui, de se saisir de la totalité de la réalité et de ses structures contradictoires. De la manière, Pasolini le précise, dont Dante, lui, à l'inverse, avait réussi à s'emparer de cette réalité pour en construire un système cohérent. Ainsi, dans le livre Pétrole, Pasolini met en scène un refus de la référence au réel, et la conséquence, c'est ce qui arrive dans son texte, ressemble souvent à ces processus d'organisation, d'auto-organisation qu'on trouve à l'œuvre dans les systèmes biologiques, comme je l'ai moi-même repéré avec mes fourmis. Dans la suite et la continuité de Pétrole, Pasolini avait publié un important travail, La Divina Mimesis, dont le titre est calqué évidemment de la Divine Comédie, et qui a été publié par Rainer chez Contramundum en 2014, il y a maintenant 7 ans. Donc. And La Divina Mimesis is a key work to these issues. It begins as a remake of Dante's Inferno. Now, just to give an idea of the first steps in reading. No more whole to attain. Local decision here involves not only how writing would again be possible, how to find a way out from
linguist impasse. It includes also, in this case, the figure of guide connected to memory. So the guide is the double of the poet himself, his former self. And the figure of guide implies a new fervor, fate, desire to act, even gladness as a part of writing. So my reading went further with keeping an eye on swarming, repetition, and memory. Pour moi, le terme de divine mimesis est un mot-clé qui permet d'envisager toutes ces questions. La divine mimesis de Pasolini commence comme une répétition, un remake de l'Enfer de Dante. Et j'aimerais vous donner une idée de la manière dont j'ai entrepris cette lecture. Ici, il ne s'agit plus d'atteindre un tout, a whole, une totalité. La décision locale implique non seulement la manière dont écrire à nouveau pourrait être possible, comment on pourrait trouver une sortie à travers les impasses que pose le langage. Cette manière de lire implique aussi, ici en tout cas, la figure d'un guide, la figure d'un guide, comme dans la Divine Comédie Virgile pour Dante, un guide qui est relié à la mémoire, bien que le guide apparaisse à bien des reprises comme le double du poète lui-même, on pourrait dire le moi qu'il était avant de se mettre en scène. Et de la même manière, la figure du guide implique elle aussi une nouvelle ferveur, quelque chose comme la foi, le désir d'agir, et peut-être même du bonheur, bonheur qui serait lié à l'acte d'écrire. Et c'est ainsi que ma lecture s'est poursuivie, en gardant un œil sur il brulicchio, le frémissement, la répétition et la mémoire. At this point, I have to mention that we know very little about Aunt Memory. During the 70s, a Finnish myrmecologist, Rainer Rosengren's work on redwood ants suggests that ants pass cultural tradition or collective memory, if you wish. Foraging trails lead from the nest into trees, where the ants drink the honeydew excreted by aphids. And Rosengren found that in the spring, old ants, which survived over the winter, led young ants out on the preferred trails. And when the old ants die, the young ants have adopted the trails, and the same will repeat the next spring and the successive spring and so on. And in this way, the colony remembers the trails for decades. Donc là, vous allez apprendre quelque chose dont je ne pensais pas un jour vous parler lors de ces entretiens. Je dois évoquer quelque chose à propos de la mémoire. En effet, on ne connaît pas grand-chose de la mémoire des fourmis. Mais pendant les années 70, un spécialiste des fourmis et des insectes finnois, un finlandais, Rainer Rosenberg, un travail qui portait sur les fourmis rouges, Formica rufa, a suggéré que quelque chose comme une mémoire des fourmis passait à travers la collectivité. Qu'est-ce qu'il a fait pour découvrir cela? Il a montré comment, en réalité, la manière dont les fourmis rouges tracent un parcours qui va de leur nid jusqu'aux arbres, ces arbres dans lesquels les fourmis viennent se nourrir suçant la sève des arbres, eh bien, Rosengren a montré que au printemps, c'est les fourmis les plus anciennes, celles qui ont survécu à l'hiver, guident les jeunes fourmis le long des chemins tracés qui sont les meilleurs pour atteindre la cible. Et au moment où ces vieilles fourmis meurent, les jeunes fourmis ont adopté les tracés que leurs anciens leur ont montrés. Et c'est la même chose qui va se passer lors de l'été, du printemps suivant, etc., etc. De cette manière, les colonies des fourmis
se souviennent pendant des décennies du tracé hein, de leurs ancêtres. Another reading, Miklos Tsienkuti, a major writer in Contramundum catalogue, towards the one and only metaphor published by Contramundum in 2013. In the beginning of the book, Tsienkuti writes that his aim is to write catalogus rerum, an index of everything in the world. And the book can be read like a collection of epigrams and fragments, piece after piece. Actually, Tsienkuti is also reflecting the process of his writing, telling how his works belong to the category of biological forms, or how nature doesn't recognize any difference between result and process. Alors une autre lecture, hein, la lecture d'un livre qui appartient au catalogue de Contramundum, le livre de Miklos Tsienkuti, qui s'intitule hein, « Toward the one and only metaphor hein, », vers l'un et l'unique métaphore, ou vers la seule et unique métaphore. Au début de ce livre, Tsienkuti écrit que son objectif est de décrire un catalogue des choses, « catalogus rerum », une espèce d'index hein, de chacune des choses qu'on trouve dans le monde. Ainsi, hein, ce livre peut être lu comme une collection d'épigrammes, de fragments, pièce après pièce. Mais si l'on y regarde de plus près, en fait, que fait Tsienkuti ? Eh bien, il est en train de réfléchir à la manière dont le processus de l'écriture, la manière dont son travail se développe, se dit à travers des catégories et des formes biologiques. C'est-à-dire la manière dont la nature, hein, et c'est ce qui intéresse donc notre auteur à la fois dans la question à propos des fourmis et sa réflexion sur l'esthétique, sur l'art, la manière dont la nature ne reconnaît aucune différence entre le résultat et le processus. And with Tsienkuti, a local decision could be described as an entry. Entry in a context of a wild, absolute imitation of how Tsienkuti writes in the beginning of the book. Above all, there is a million of lines, the analytical richness of foliage, grasses, nameless meadow flowers. And also entry in a context, what he considered his major work, a gigantic diary, more than 100,000 pages large, and still unpublished even in Hungarian. And in every entry, there is always an absolute feeling of freedom, chance, and randomness. But when the structures grow larger, a kind of principle of probability emerges, a kind of latent interweaving of all different parts, somehow often intersecting each other. There is often a specific type of movement in the text, at the same time centrifugal and centripetal, creating a kind of spira mirabilis, very much like in an ant colony. En fait, chacune des décisions locales de Tsienkuti pourrait être décrite comme une entrée. D'une part, l'entrée dans un contexte, un sauvage, celui d'une imitation absolue. C'est la manière dont Tsienkuti décrit son travail au début de son livre. C'est-à-dire que dans l'ensemble hein, du quasi-million de lignes que compose ce livre, hein, il essaie de saisir, hein, à travers la richesse analytique, l'épaisseur hein, des feuilles, des herbes, des fleurs. Mais à y regarder de près, hein, c'est aussi une entrée dans un autre contexte, c'est-à-dire le contexte de ce qu'il considérait comme son œuvre majeure, hein, son opus magnus, c'est-à-dire hein, le gigantesque journal intime hein, qu'il tient et qui représente plus de 100 000 pages, de très larges pages, qui n'est pas encore publié, même en hongrois. Je pense que c'est le prochain projet de Rainer, j'imagine. Why not? It's only 100,000 pages. En fait, quand on s'approche hein, de chacune de ces entrées,
on est saisi à chaque fois par un sentiment absolu de liberté, de hasard, hein, et aussi de totale absence, hein, de décision. Et plus les structures grandissent, hein, plus quelque chose comme un principe de probabilité se fait jour, quelque chose comme une interconnexion latente de tous ces différents sentiers, hein, de tous ces différents tracés qu'on a parcourus de manière indépendante jusque-là, et qui l'un et l'autre, hein, d'une certaine manière, finissent par se croiser. Il y a toujours quelque chose comme un mouvement spécifique dans le texte, et qui est à la fois centrifuge et centripète, et qui crée comme une spira mirabilis, hein, une espèce de vortex, qui m'a rappelé, dit-il, hein, la vie des fourmis, hein, dans leur colonie. And my own writing project, at some point I felt I was totally beaten by ants. I had struggled hard, and I remember when I read a recent study showing that against the biblical wisdom, ants are idle and lazy, not at all hardworking. And when there is a local decision to do, 20 up to 50% of the ants decide simply doing nothing. Je peux en revenir maintenant à mon propre projet d'écriture. Hein. En fait, je me suis senti totalement minable, hein, par les fourmis. J'avais travaillé dur, et je me souviens, avec stupeur, d'une de mes lectures récentes, quand j'ai découvert une étude qui montrait que, à l'inverse de la tradition biblique, hein, qui fait de la fourmi une travailleuse, comment dire, acharnée, hein, les fourmis sont plutôt flemmardes. Hein. Ce sont pas du tout des travailleuses, impliquées, hein, parce que cette étude montrait que quand il y a une décision locale à prendre, hein, un pourcentage qui s'élève à entre 20 et 50% des fourmis, hein, ce qu'elles décident, hein, c'est tout simplement de ne rien faire. And this obstinate Melvillean would prefer not to ants were a decisive blow to my efforts. So in retrospect, I wish the project was a modest success even in its failure. It left into my novel its traces and structures, and as my novel in many ways copes with a theme of survival, perhaps the lesson of the fable could be found in the fact that if all ants would disappear from the biosphere, in a very short span of time, the whole biosphere would become uninhabitable. Thank you. Alors, ces fourmis, hein, qui sont des fourmis qui ont pour modèle donc le Bartleby de Melville, hein, c'est des fourmis je préférerais ne pas faire mon travail de fourmi, ont été une incitation décisive, hein, par rapport à mes efforts. Hein. Et on finit par les balayer, bien que si je me tourne vers le passé de ce projet, hein, j'espère que ce projet, comme d'autres, comportait un succès modeste dans son échec même, et qu'il a laissé dans mon roman quelques-unes de ses traces et des structures. Et comme mon roman, d'une certaine manière, affronte, hein, le thème de la survie, peut-être que la leçon de la fable, on pourrait la trouver dans le simple fait que si les fourmis venaient à disparaître, je veux dire que si toutes les fourmis disparaissaient de la biosphère, eh bien, dans un très court laps de temps, la totalité de la biosphère deviendrait inhabitable. Et je vous remercie de votre attention. Now we move back to me again. It's a bit overwhelming. Some of us, like myself, are more like Blanchot, and we prefer invisibility, so it's a bit like I've been presented upon, etherized upon a table. So let me just briefly give my gratitude to Alessandro Segalini, who's the typographer of the press, whose work is exceptional,
and to Federico Gori, who helped us design the website, and to all the translators that... Donc Rainer veut remercier les deux figures qui pour lui sont décisives dans son travail, hein. Alessandro Segalini, celui le designer, hein, le concepteur de ces objets, et aussi le concepteur du site, pardon, j'ai oublié le nom. Federico Gori, voilà. Hein. Et aussi, il veut adresser l'expression de sa gratitude à tous les traducteurs. Il a raison. Well, to Giovanna Squera, who helped us design several books, like the Oyster book, and helped me design the choose colors for the website, and has been a presence in many invisible ways, like Blanchot. Oui, comme il le dit, il veut aussi remercier Giovanna, qui est une de ses collaboratrices, hein, qui l'aide à concevoir à la fois les couvertures, la couleur, mais aussi par bien des aspects, qui travaille à la conception du site. We've had a bit of an interesting drama on stage, which maybe some have seen. We have these various flies, some which I killed myself, which shows that I'm not Buddhist. Several which dive directly into water to sacrifice themselves, and the other ones which dive directly into wine. So those are clearly the Saadi and Dionysian flies. There are only two of them here. Rainer attire votre attention sur un drame qui vous a peut-être échappé, hein. Un peu comme dans la pièce de Sartre, hein, on est poursuivi par les mouches à cette table. Rainer est responsable d'en avoir tué quelques-unes, deux, dit-il. Certaines sont mortes comme des buveuses d'eau, pour parler comme Baudelaire, et d'autres, dit-il, hein, comme des mouches qui auraient participé à un banquet sadien, hein, ont noyé leur chagrin, on peut dire, dans le vin. C'est moi qui ai suggéré. C'est toi qui l'auras suggéré, d'accord. I'll just make a few other brief remarks, then we'll move to Pierre Sange and Carol Vier's Andronico, our Madonna and our whale. First, I just want to speak to a few books that will be released in the coming year, including as part of our Agrodolce series, started by a man named Emile Plateau. We will be publishing a translation of Ugo Tagnazzi's La Buffone. Donc maintenant, Rainer veut indiquer quelques-unes des prochaines réalisations dans la collection Agrodolce. Hein. Un des prochains livres qui sera publié, hein, c'est le livre de Ugo Tognazzi, hein, qui s'appelle La Buffone. As well as we will be publishing a collection of selected poems by Isidore Isou, which will be overseen by Andrew Hussey. Des poèmes de Isidore Isou, un choix de poèmes de Isidore Isou. As well as we published, if some of you know or not, a translation of Redouan Faïd's Bracour, which was translated into English as Outlaw, Author Armed and Dangerous, that was released last year. And next year, hopefully, we will be releasing Spiral, his forthcoming book. Donc le livre à venir, hein, de Andrew Bracour qui s'appelle Spira, c'est ça? Spira, et dont donc Contra Mundum sera l'éditeur. And a translation of Evelyn Grossman's The Creativity of the Crisis. Et un livre de Grossman, hein, la créativité de la crise. So let me turn. Show the. Ah, yes. And the Ugo Tagnazzi book will be translated by Dominic Siracusa, who translated the Emilio Villa book, which is a kind of totem signal book for our press, as people have mentioned, this writer who's written in over 14 different languages. Et c'est Dominic Siracusa, le traducteur d'Emilio Villa, qui va traduire, hein, le livre d'Ugo Tagnazzi. So this is a video that Federico Gori made of many of the books of our press. We'll just have on in the background while we move to Pierre Sange, whose book, The Major Refutation, we published in 2000. Yes, I'm mixing up the order. It's okay. No, but we said the Madonna first, excuse me.
Ladies first and Madonna first. Carol Veers Andronico will speak to, I have the wrong video on. I'm jet lagged. Giovanna and I arrived late last night and had an endless adventure. So Carol Veers Andronico, the Madonna, will speak about Carmelo Bene, who was translated into French before any other language. And Contramundum is the first one to present Carmelo Bene in English. Donc Contramundum est le premier éditeur américain à publier un livre de Carmelo Bene, hein, mais vous savez que Carmelo Bene est très présent dans les presses françaises grâce aux traductions de Jean-Paul Manganaro, qui a traduit l'intégralité, quasi l'intégralité des textes de Carmelo Bene chez POL. The first book that Carol translated for us is Carmelo Bene's Proto-Autographia. He is removed and dispensed with the bios, called I Appear to the Madonna. Et le premier livre de Carmelo Bene qui a été traduit donc, et ce livre en anglais, hein, et ce livre qui est une hétérobiographie, hein, qui, dont le titre anglais est An I Appear to the Madonna, je suis apparu à la Madonna. On aimerait bien montrer juste un tout petit peu de lettura d'Antis que Carmelo Bene a fait. avait fait en 83 et en fait I Appeared to the Madonna, je suis apparue à la Madone, raconte une lecture, voilà, de Dante lors d'une manifestation dans une square à Bologne pour un événement à propos du massacre que, du train avec je me souviens pas plus avec pratiquement 200 morts. 80. Oui, c'est ça. C'est l'attentat de la gare de Bologne du 2 août, hein, qui avait fait 80 morts. Oui, je suis nulle en maths. I Appeared to the Madonna describes this event amongst many other things. I Appeared to the Madonna is characterized by Carmelo Bene as both a real and imaginary autobiography with the bios removed. Donc cette autobiographie, hein, de Carmelo Bene qui se met en scène à la fois comme un personnage réel et comme un personnage de fiction, hein, évoque cette lectura d'Antis, hein, cette lecture de Dante que Carmelo Bene avait fait, hein, lors d'une manifestation qui était un hommage, hein, aux morts de la gare de Bologne. Exact. Voilà. Donc on pensait de regarder un peu ça parce que moi je vais faire une lecture d'un passage justement qui raconte cette lecture après. Et vu que moi je peux pas du tout faire la voix de Carmelo Bene qui est vraiment particulière, au moins on va l'écouter un tout petit peu ici. Voilà. Ed egli a me, vedrai quando saranno più presso a noi, e tu allor li priega per quello amor che imena,
ed egli verranno. Si tosto come il vento, a noi li piega mossi la voce. O anime affannate, venite, a noi parlar s'altri non niega. Quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate e ferme, al dolce nido vegnon per l'aere dal voler portate, cotali uscir dalla schiera ovedido, a noi venendo per l'aere maligno, si forte fu l'affettuoso grido. O animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno, se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poiché hai pietà del nostro mal perverso. Di quel che udire e che parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento come fa ci tace. Siede la terra dove nata fui, sulla marina, dove il Po discende per aver pace coi seguaci sui. Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, cannullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Caina attende chi a vita ci spense. Je ne peux pas faire ça moi-même, mais j'aimerais bien lire, malheureusement, moi j'ai pas la traduction de Mangana sur moi, mais en anglais, voilà. Et ça, c'est carrément la description qu'il fait dans son I Appeared to the Madonna, de ce moment-là. Donc, as soon as it started getting dark, I caught up with those valiant sappers of mine at the top of the stands. The sawbones supported and comforted me. My gaze fell between the towers, Merlin's, and it offered me a sight I had never seen before, an ocean of polychromatic people. I asked one of the cops on duty how much time was left before my part was to begin, and he told me an hour or a little less. A southerly wind kicked up, and it was beating the hell out of the megaphones that had been raised on pikes. I forced myself to keep the spirits at bay and to calm myself down, like boxers do before a fight. It was time. I clambered up the ladder's rickety rungs and finally showed myself to the crowd, which was perhaps more amazed at its own immensity than it was at my mirage, and which welcomed the end of the wait through my appearance. An indescribable roar of applause resounded from far off public squares and in all the surrounding streets. I appeared. With my eyes closed in front of the luminescent music stand, I began to sing Alighieri's verses, but from elsewhere, in the time of snow and mulled wine from my childhood. Then I faded away, and the canto followed as if proffered by Ser Boccaccio in that very same place 700 years earlier. The sounds chased after one another above the rooftops, and the people's devout silence created an enchantment that made my fading away even more sweet. A new blossoming of the mind, a Marian devotion at the feet of my favorite
silvery Madonna, clothed in amnesiac blue and pink. Now, I say myself, while I had been said, a chance to hear as I had never been afforded at any other time in my life. While that prayer of mine was slowly losing itself, and while my saying silence gradually forgot its sense, Our Lady, retreating, was vanishing from my enamored gaze. Since my childlike thinking could not persuade itself that he, himself, was the Madonna who had been invoked. Because the Madonna seemed blessed to me as I addressed her and was saying piously, I was speaking to her, but I wasn't that saying. I saw her, evoked, the mirage persisted, until newly oblivious, I continued to say my own discourse, and the vision disappeared into the discourse from which my prayer, I understand now, had expelled her. There is, therefore, an appearance of the voice that always verifies itself if you confer W-I-T-H, if you speak to. When I began to make hearing useless, the voice was saying to me, my internal singing, listening and ventilated by a migraine's wing, my mind sank into the south of the south of the saints from elsewhere, but unthought, like a delicate hot air balloon at the mercy of the heavens on the boundlessness of the tired sea. There are idiots who have seen the Madonna, and there are idiots who have not seen the Madonna. Seeing or not seeing the Madonna, that's the theme. San Giuseppe da Cupertino, a swineherder, gave himself wings by frequenting his own ineptitude. And at night, while praying, he reached the altars of the Virgin, flying with his mouth hanging open. The idiots who see the Madonna have unexpected wings. The idiots who don't see the Madonna don't have wings. They can't fly at all, and yet they fly anyway. And instead of landing, they fall down again, like some guy with blocks tied around his feet, who wants to untie them, but instead he decides to cut off his feet. But those who don't see what they see, those who fly are themselves the flight. He who flies is unaware of it. Such a miracle annihilates them. More than seeing the Madonna, they are the Madonna they see. If you want to embrace someone, you are the intercourse. When you kiss, you are the mouth. But the idiots who see the Madonna don't really see her. Like two eyes staring at two eyes through a wall. Transparency is the miracle. Madness is the sacrament, because blind faith closed those eyes. It transformed the strata. The strata were made of rock. It transformed them into veils, and the eyes saw sight. Either man is blind in this way, or God is objective. Now we turn to the whale. From the Madonna to the whale. Can we note most of them at least? Yes, of course. Then we will be publishing a number of volumes of the works of Carmelo Bene. The first was this, I Appeared to the Madonna. The next one that's forthcoming from us is called Our Lady of the Turks, Nostra Signora dei Turchi, which Carol just finished translating and we're about to send to the printer. And Rainer précise à la demande de Carol que les éditions Contramundum vont publier plusieurs ouvrages de Carmelo Bene et que le prochain, hein, c'est Notre-Dame des Turcs qui a été traduit par Manganaro chez POL. And following that will be a third volume. What was the title again that you devised? Oh, it was lovely. Lorenzaccio and Other Mind-Bending Works. So now let's turn to the whale. Ahab, we brought you the Madonna. We bring you Moby Dick.
It was a long time coming, and many people were quite patient with us about finally bringing this to the world into English. This was originally published in French by Vertical in 2016 and received the Prix Veppler. Donc le livre de Pierre Sange, hein, qui avait été publié chez Vertical en 2016, qui avait remporté le Prix Veppler, hein, donc traduit chez Contramundum. Our edition features a cover designed by Sergio Aquindo, who also designed the cover for our first book of Pierre's in English, The Major Refutation. Et c'est le même graphiste, hein, qui a fait la couverture des deux livres de Pierre qui ont été traduits chez Contramundum. And Pierre has worked with him on other projects, which perhaps he will speak of if he wishes. So I'll recite some of this whale, which is hot off the press and not yet in the streets, nearly. It's quite close. There are copies out there for anyone who might want one, but would you like to speak briefly about? Oh bien, non, il te passe la parole. Donc très bien. je reprends au vol le nom de Sergio Aquindo, qui a fait la couverture de ce livre et du précédent publié déjà chez Contramundum. Sergio, avec qui j'ai commis aussi un autre livre qui s'appelle Cendres des hommes et des bulletins en français. Et là, il n'a pas seulement, entre guillemets, fait la couverture, mais c'est un livre qu'on a fait vraiment à quatre mains, autant de textes que de dessins et d'illustrations. Un bref mot pour un peu présenter cette rencontre avec Rainer, il y a 7 ans à peu près, ou quelque chose comme ça, 7-8 ans. Il y a deux personnes qui ont fait d'une certaine façon l'intermédiaire entre nous, le go-between, c'est le traducteur, puisqu'il y a beaucoup de questions de traduction dans cette rencontre, et je pense que c'est très important. Jacob Seyfring, qui a pris sur lui de traduire la réfutation majeure et de le présenter à Rainer. Et donc je salue le travail de Jacob et sa constance. Et l'autre personne, c'est Miklós Szentkuti, dont vous avez souvent entendu parler aujourd'hui. En tout cas, vous avez entendu beaucoup de versions de son nom, parce que c'est un nom absolument imprononçable, surtout en français. Je pense qu'il n'y a peut-être qu'un Finlandais pour savoir prononcer son nom. Je pense qu'il y a une communauté de langues. Je pense que l'amour, l'intérêt, la curiosité, l'affection, la fascination, l'admiration que nous avons tous, et en tout cas que Rainer et moi avons en commun pour Miklós Szentkuti, a aussi servi de liant à nos projets, comme si cette figure nous rendait sympathiques, et comme si nous étions une sorte de cercle d'amoureux de ce personnage-là. C'est un nom assez important aussi, parce que quand on a fait ce tour de table, on a parlé de langue de Babel, on a parlé d'indépendance aussi, et je pense que d'une certaine façon, Miklós Szentkuti représente un peu ces deux versants. C'était un polyglotte, et il a fait à sa manière le choix aussi d'une certaine indépendance, indépendance par rapport à son époque, par rapport à son pays, par rapport à la politique de son pays. Il en a payé le prix, hein, c'était une sorte d'exil intérieur. Et cette indépendance, on la trouve sous d'autres formes chez Emilio Villa, chez Carmelo Bene, à chaque fois des choix et d'écriture et éditoriaux qui sont forts, mais qui supposent d'aller un petit peu à l'encontre de savoir se détacher de contraintes, qu'elles soient politiques ou financières. Voilà. Je suis, pour en venir à ce livre, je suis évidemment ravi, ébloui de voir que ce gros texte, c'est pas toujours évident de traduire et de publier un texte aussi en nombre de pages aussi gros, d'un auteur qui n'est pas forcément une vedette et dont la lecture n'est pas toujours facile. Et je remercie vraiment Rainer d'accepter de jouer absolument ce jeu-là et de le faire avec un soin, encore une fois, apporté aussi à l'édition elle-même, à la lecture du texte,
et à la mise en page. Voilà, on a parlé de la facture de tous ces livres. Je suis très touché de ça et très touché de cette amitié, de cette confiance. Si bien. Voilà, un petit extrait de ce texte où il est beaucoup. C'est une variation autour du thème de Moby Dick, et là c'est plutôt autour de d'Orson Welles et de Moby Dick. Moby Dick in Hollywood, Orson Welles. Finally back in the fold of Hollywood, one imagines him advancing mistrustfully looking up at the high and useless palm trees in a moderation which serves no purpose. The palm trees planted on both sides of the expressway in order to purge an already pure sky. He makes his way just as mistrustfully to go and see the men of the major studios. He would like to recite Melville in the men's faces. They would learn it well. Melville in the guise of sea spray in order to throw a wrench in their fine days. In his suitcases, not so fat, but almost, a piece of Macbeth, a piece of Othello, a piece of Conrad, a piece of Cervantes, a piece of Faust, a piece of Munchausen, a piece of Gulliver, the comedy of errors, views of Venice, stills of himself in the process of wrapping himself in a foulard with a free hand, and self-portraits as the devil, as a drunk, as a king, as a traveling salesman, as a magician, as Tiberius, as a lion tamer putting his lions in paw at a pawnbroker's, as a Borgia, as a sermonizer, as a prophet, as a fugitive, as Barabbas, as Pickwick, as Rembrandt himself disguised as a knight, and in a notebook, 27 sketches of wooden legs. He prepares himself to step into the skin of Captain Ahab. He pictures him in his mind by imitating him. From one end of the hotel room to the other, he takes the 100 steps, which are never exactly 100 in one direction, nor in the opposite. 100 passionate, irate, seething, melancholic, monomaniacal, exhausted, overwhelmed, and alternately morbid steps. Then, after these, joyous, hysterical, fulminating, mystical steps followed by clownish ones, he imagines, for instance, Captain Ahab offering himself up as a spectacle to his sailors to make them laugh, which is not too far from reality. In solitude, he hams it up. Hamming it up without an audience is a kind of perfection in the art of being an actor. He doesn't try to reconstitute the exact limp of a sailor on a whaleboat, but he reinvents it to suit the needs of the theater, or better, to let the sailor study him instead. After having conscientiously staggered in the manner of a bear in a cage, then in the style of Tamburlaine, he even tries for Charlie Chaplin, he takes out from under his bed a briefcase and removes from it a dozen little tender pink plastic things, with gracious interiors, soft as cartilage must be. Fake noses of different kinds, each more or less subversive, because you've got to have a vindictive nose if you want to be Ahab. He is conscientious, even if he curses the studio system to hell. He agrees to do advertisements in exchange for port wine. He gives it 10% of his grace and his talent, which, no question, is worth 1,000 times the talent of the others. Commissions, imbeciles, increasingly minor roles, the bear dancing on television, and the caricature of himself. He will get there. He's already on his way. He does it all begrudgingly. He withdraws. He takes umbrage. He gets a lump in his throat, sacrifices part of his soul. He'll always have some to spare. He comes face to face with himself in a mirror, damns half the human race, claims Shakespeare as his witness, but ends up going ahead anyway. And by going ahead, he imitates the vainglory of the geniuses of the Cinquecento when they went off to wax the armrests of a prince. Orson Welles' agent offers him a role as Captain Ahab in order to entertain the general audiences of Warner Brothers. All right, so be it. He'll do Ahab. It will put food on the table and be prestigious, too. He'll do Ahab as a bear, as a sailor in an operetta, as a lover of Circe, as a Neoplatonist. He will reread his Moby Dick in order to suffuse himself with it as they all claim to do, and to prohibit others from talking about it as knowledgeably as himself. He'll reread the Scrivener too, hoping to find something in it to nourish his captain with.
He's already growing his beard out, which just goes to show to what extent he's premeditating his role. He picked out from among his false noses the one with the most suitable form. He found the profoundness of his limping, a long syllable following it by a short one, like a trochee inspired by the hendecasyllabics of Catullus, or a short syllable followed by a long one, like the iamb of Shakespeare. He struck the right tone. He knew how to burnish the tanned leather of adventures, a little foundation, a little natural ursary. He wavered between losing weight and fattening up. He became ample in order to incarnate Ahab in the shape of a porpoise. He thinned out again in order to suggest the asceticism of men mad and alone, who venerate an untraceable god and forget to feed themselves. He struck the right tone again, more hoarse. He tried out postures. He looked for examples of costumes in books. He boasts, but we ought not to believe him, of having gone into an antique shop to talk to the owner about wooden legs all night long, at dawn and in the morning too, whilst going from wine to aged rum. He made sketches on loose pages alongside a project for Crime and Punishment. He searched on his immense toddler's body for a space to tattoo an image of an anchor and a whale, or something simultaneously satanic and biblical. He didn't have time to fill up on works of Satology, but he was practically there. He wasn't too far off. Orson Welles presents himself at the door of the big studio as the vanquisher of Hollywood and of Agincourt. He returns to the setting he has always dreaded, the mix of copper and pre-war wood, the long tables where bankers talk of capes and swords. He greets the boss and his representatives in order he recognizes, the director off in a corner, the executive producer, the lawyers, the secretary. He drops a word from Hawthorne, no one understands at first, and the laughter sounds like certain easy chairs when they are sat upon. It is his turn to sit down now. He has become almost confident. He breathes in the open sea air, thinking, there she blows, there she blows. Then, without batting an eye, he hears the name of the actor to whom the big studio has just awarded the role of Captain Ahab, the lucky guy. Immediately, he foresees his return to Europe, the airplanes too small for him, Paris and then Spain, making the rounds among fake princesses, reels of film bought here and there, his pride at the bottom of a foxhole, the company of a New York intellectual come to pay him a visit and confirm in his genius as if he needed that. He thinks also of his bank account and when he wonders what role they are thinking of giving him instead of the role of captain. The three bankers, two accountants, the owner, the lawyers, and the secretary reply in unison, the white whale. Bien, chers amis, on arrive à la fin de notre présentation, de nos entretiens. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Pierre, Rainer? Juste rajouter le nom des traducteurs, Jacob Seffring et Tegan Reilly. Oui. Voilà. Marie? Merci. Non? Claude? Non? Alors, pour finir, je vais vous lire une dizaine de vers d'Emilio Villa, puisqu'on avait dit qu'on le ferait entendre. Et en fait, il y a une cohérence, vous allez voir, puisque le texte que je vais lire est un texte qui a été écrit en français pour Carmelo Bene. Hein, et c'est un texte de la litanie pour Carmelo Bene d'Emilio Villa. Texte qui date de 96. Les colombes maux ont toutes toujours un ciel à éventrer pour en abattre la mémoire sur le miroir des instants sonores. Les laits tannis à lécher en dérogatoire pour Carmelo Bene a redemandé érection, rédemption et vigueur de vous, voix, voir de toi qui nous, les tous, oblige et nous opte. Héron iridescent aux éclats vert noir, en éclats verbevoir des glandes sans limite, tu auras bien pu saisir entre tes crocs la grêle du temps dur, exil et mûr, du temps Dieu de blessure, temps Dieu en trace des golfes d'ombre et l'ombre qui bleugle du tout Dieu le long les feuillages sans racines liés aux rêves des vivants
et pu trouer, pu crever le collapse oratoire des vidéo-jeux, des jeux, imprévisibles rhéteurs, revolés, revolus des représailles en défaite, arbitre pour aveugle, aura tué, aurait de douire, voix diacre, voix arrêt de grenu, pour plaindre, pour te plaindre sur les ongles. Voilà, nous vous remercions toutes et tous de votre présence et on vous donne rendez-vous. Merci à Marie, merci à Rainer, merci à Pierre, merci à Véronica, merci à Kirill. Et donc on vous donne, Carole, pardon, merci à Carole, et on vous donne rendez-vous en novembre, mi-novembre, pour le troisième entretien de l'automne, qui sera consacré à Soutzkever. Tu en dis un mot avant qu'on se sépare? Juste un mot. Soutzkever, c'est un poète juif lituanien, écrivant en yiddish, et qui a vécu les horreurs du ghetto de Vilnius, Vilna, dont tous les termes s'emploient, Vilna, je crois, disent plutôt les juifs, les horreurs de ce ghetto sous le nazisme, évidemment, mais il y a aussi toute l'histoire du passage de la Russie, enfin, l'Union soviétique, ensuite les nazis qui arrivent, etc. Vraiment le pire du pire du pire de l'histoire. Et Soutzkever est un extraordinaire poète qui a continué à écrire sans faillir, vraiment dans les pires moments. C'est une œuvre vraiment extraordinaire. Et je n'en connaissais que ce qu'avait traduit, je ne connais toujours d'ailleurs, enfin, c'est, je le lis aussi en anglais, mais ce qu'a traduit Rachel Hertel. Et il y a quelques mois est paru un énorme volume de Soutzkever aux éditions, c'est l'éditeur, pardon. Tu connais? Celui qui a édité Soutzkever. Je suis désolé, je suis fatigué. Bon, en fait, c'est une traduction de Rachel Hertel. C'est admirable, vraiment passionnant. Ça traverse tout le siècle. C'est Soutzkever avant le ghetto, ce que j'ignorais complètement, et qui était déjà poète, jeune poète, qui a trouvé dans ses premiers moments la force, la puissance poétique qui lui permettra de traverser vraiment les pires horreurs et ensuite de se retrouver en Israël et d'être un très grand poète, écrivant toujours en yiddish, ce qui était aussi une question fondamentale en Israël, entre le yiddish et l'hébreu. Donc voilà, c'est vraiment, Rachel Hertel sera là, bien entendu. Je pense aussi que Carole Matron, je ne lui ai pas demandé encore, mais j'espère, puisqu'elle est aussi une traductrice du yiddish, qu'elle sera là. Et on lira vraiment du Soutzkever, on fera entendre du Soutzkever, c'est extraordinaire. Comme on a fait entendre aujourd'hui du Pierre Sange en anglais et du Carmelo Bene. Merci beaucoup à vous et merci à vous et à bientôt. Allez, chouchou.